Actuellement, je suis avec mon bon ami Daniel Martineau sur un lac à Doré, mais un lac où la base alimentaire du Doré, c'est l'éperlan. Donc, c'est pas une pêche que j'ai beaucoup faite l'automne, hein, évidemment, on est à la mi-octobre. J'aime ça les défis. On s'était donné ça comme objectif d'essayer de capturer des gros dorés l'automne sur un lac où ils se nourrissent d'éperlan. Évidemment, ça implique de la pêche en profondeur parce que le doré en lac commence à descendre de plus en plus creux. Puis l'éperlan est aussi en profondeur. Là, j'ai travaillé mes affaires avec mes Scotty. On a pêché au downrigger. Fait que déjà là, c'est pas super habituel pour le doré. Ça se passe entre 30 et 40 pieds. C'est ce qu'on voit dans l'écran. J'en ai profité pour essayer le nouveau leurre que Berkeley a sorti. Je vous en ai déjà parlé dans une capsule, le Hit Stick. Je vous avais dit qu'à mon avis, c'est un leurre qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Fait que là, en arrivant ce matin, on a essayé différents leurres. J'ai pêché avec des cuillères parce que j'ai déjà eu beaucoup de succès dans ce style de pêche-là avec des William HQ. J'ai pêché avec différents leurres jusqu'à ce que je mette le Hit Stick, pardon, et qu'après, ma foi, je dirais le goût de dire 10-15 minutes de pêche, je fasse la capture que vous allez voir dans un instant. Voilà le beau doré qu'on est allé chercher avec ce leurre-là, dans le 11 cm. Couleur mauve parce que c'est un temps qui est un peu couvert, pas tellement ensoleillé. Puis le mauve, je trouve, dans ce temps-là, donne des bons résultats pour bien imiter un éperlan. Évidemment, ce très beau doré-là, c'est un poisson au-dessus des limites légales. Donc, on vient de le capturer. Là, je m'empresse de le remettre à l'eau. Il est superbe. Wow! Et voilà! Fait que là, ce qu'on va faire, quelqu'un pourrait être malcommode puis dire « Ben oui, ben là, c'est peut-être un poisson chanceux, là, lucky fish, comme on dit en termes de pêche. » Mais là, on va continuer de faire ce qu'on fait là, là. Fait que si jamais on arrive à remettre un autre beau poisson dans le vivier, ben je vous reviens puis on se jasera de ce nouveau leurre-là. À bientôt!